quart de finale. Allez, on passe à la catégorie des mini, mesdames et messieurs, Martin Borlaine. Martin Borlaine qui est sur sa piste, et ici, c'est lui qui s'engage dans le premier virage et qui sort en tête. Avec derrière lui, il y aura parlé de Clovis Parmen, le pilote de combat IBMX qui a pris la deuxième position, Hugo Lemoux. Lui également, du club numéro 11, a pris la troisième place dans la routine, le tête qui reste encore un an à connaître. Et surtout, une 150aine de mètres à parcourir pour la qualification, c'est Méline Vidéo. Méline Vidéo, les 400 millions sur ma liste vont se voir qualifiés alors que Monsieur Marvin, eh bien, la prendra la deuxième position. C'est Martin Borlaine qui remporte cette demi-finale minime. Et Titon Algarve derrière la ligne de départ, mesdames et messieurs, il y a un vélo. Mais il monte en centre de la piste qui est très bien sorti de la ligne de départ, mais le cadre est posé en rouleur, rouleur, c'est la différence. Il parle également d'avance et de termes techniques dans le BMX, mesdames et messieurs. Et c'est Lenny Cadon pour le moment qui est en tête. Monsieur Cadon est à la première place, suivi de qui? Bon, il va tenter, il va montrer sa présence, le pilote de Trigueux. Le pilote de Trigueux qui est autre que Lenny Le Guilladé. Et à la deuxième position, troisième place, c'est Titon Fort-Huméa. Et dans le groupe troisième position, est-ce que c'est Louis Gauthier? Est-ce que c'est Louis Gauthier qui va se voir qualifié en quatrième position? Oui, mesdames et messieurs. La sortie de grille de Franck Mahoulet est très bonne. Et il va peut-être venir inquiéter Mario Bruno Franck quand il va sortir en tête de ce premier virage avec Loupilard. Loupilard qui est monté sur le porte-bagage de Franck Mao. Franck Mao, Loupilard. Et regardez le retour. Le retour de Mario Bruno qui est passé dans un trou de souris. J'aurais même dit dans un trou de mulon pour venir se glisser aux commandes, mais il y a du changement. Franck Mao, Mario Bruno, Loupilard. À la quatrième position, on va reconnaître Mickaël Mignon. Les couleurs de Chantepie. À la quatrième position, François Lefebvre de Cornwall BMX qui vient partir pour prendre la cinquième place, mais 3e, 4e victoire en 4 manches de Marc Bruno. Ce sont les cadets maintenant, mesdames et messieurs, qui sont devant vous. Et dans la catégorie des cadets, ça va accélérer fort. Ça va accélérer très très fort. Le 2 manions d'Adam Oba. Après la différence, Adam Oba rentre en tête et sort en tête de ce premier virage. Avec Yuri Wacker, le pilote de Chase, qui est dans sa moyenne derrière le Wacker. Regardez, c'est Hugo González, qui est en 3e position derrière lui, Mathéo Fort. De l'UVA BMI, voilà le closeur de tête. À la sortie de ce 2e virage, on rentre dans le 3e maintenant. On en ressort avec toujours en tête à Dambin, les Wacker, Hugo González, c'est la 4e place, Mathéo Fort. Allez, ça y est, c'est parti, mesdames et messieurs. Et c'est bien parti, notamment pour monsieur le Bougeant Léon. Le Bougeant Léon, c'est une marque, bien sûr. Le premier partenaire, c'est papa. Monsieur est en minime aujourd'hui, il roule en calais. Il est actuellement aux avant-postes. Léon le Bougeant est devant. Avec derrière lui, Alexis Klein, Saint-Avertin Sport BMX, c'est en 2e position, à 3e place. C'est Mathéo Le Pennec. Mathéo Le Pennec, suivi d'Emmanuel Paturel. Lui aussi surclassé dans cette catégorie des calais. Pour Risson Champatard, des pilotes. De Trigueux, la première et quatrième place avec Alexis Coin, qui est en 3e position. Ah, on a changé de catégorie, mesdames et messieurs. Et j'ai cru reconnaître les couleurs du Saint-Nazaire BMX Club avec Louison Rousseau. Pilote Chase, mesdames et messieurs, qui est en avant-poste. Derrière l'Europe, on va reconnaître une couleur bleue. C'est les couleurs de chez Croppy Tonton. C'est Arthur Le Bougeant, Arthur Le Bougeant, 2e position. On a Romain Le Clash qui vient de se faire faire l'intérieur, Palini. Lenny Galli, la team Choupi. Je l'en remercie, ils vont faire un joli maillon. La team Choupi, la 3e position, 4e place. C'est bien Romain Le Clash. Louis Rousseau, Arthur Le Bougeant, Lenny Gallic, Romain Le Clash. Voilà les 4 premiers lieux. Finale junior. Allez, on enchaîne dans la catégorie, mesdames et messieurs, ce sont encore et toujours les juniors. Avec une très très belle sortie de grille de Pilsen. Il est monsieur Arthur Pilard. Arthur Pilard qui est dans sa voie et part de ses protégés dans le Team Sun. Hippolyte Le Bourbon, c'est un pilote canon lui aussi, qui a décidé aujourd'hui de rouler dans cette catégorie des juniors. Les deux pilotes sont de première place. Arthur Pilard, Fabio et Pauline Mondeau, Saint-Nazaire. À la 3e position, c'est Kelly Loyer. Du club de Trigueux, à la 3e place, à la 4e position. Regardez, qui est venu s'y intercaler. C'est la bague numéro 43.
C'est Maxence Henriot, le champion néo-ambiant qui va rentrer dans le top 4.